Bonjour, bonjour. Non. Est-ce que... Non. Tu disais ? Non. Bonjour, bonjour. Bonjour. Outside. Alors, je me présente, je m'appelle Vanessa, je viens de me faire accoster par la super bande de potes à l'Outside. C'est génial, on vient d'arriver, il est 5h bientôt. Et pour l'instant, il n'y a pas de bruit comme on l'entend. C'est quoi ? C'est un festival. C'est très bien, on est tout cœur avec vous en fait, voilà simplement. Ils ont vraiment donné à fond, ils ont eu des bons trucs au niveau des commerçants, ils se sont vraiment bien démerdés. Arrêtez vos conneries là. À nous SBDP. C'est fini là. Donc moi je m'appelle JPK. Je suis Jean Dos à la Berry. Qu'est-ce que tu penses de l'emplacement d'Outside cette année ? C'est pas mal, mais l'année dernière c'était mieux. Qu'est-ce que tu penses de l'emplacement cette année d'Outside ? En fait, c'est mieux que ce que je pensais. On peut se tutoyer. Hein. On peut se tutoyer. On est outside, il y a de la musique, il y a de l'alcool. Brrr. On est jeune. D'accord. Ça passe. Hein. Ça passe. Est-ce que tu as pu acheter des t-shirts ou acheter des menus maxi puissants, ce qu'ils appellent les menus maxi puissants avec des frites, de la mayonnaise, du ketchup et des hot dogs ? Non, bah non, j'ai pas les moyens. Sophie ? Quoi ? Tu es arrivée quand Outside en fait ? Ce matin à 11h. Mm-hmm. Ouais. J'ai un badge et tout, c'est. Ouais, mais ouais, ça veut rien dire. Parce que moi j'ai un badge aussi. Et j'ai le droit de rien faire. Donc ici JPK pour son création. Nous allons interviewer Madame la maire. Ah merde ! Ici JPK pour son création. Outside. Nous sommes sur le point d'interviewer Claire Robillard, maire de Palaiseau. Et qu'est-ce que vous pensez des idées de décoration sur ce magnifique terrain de basket ? Je pense notamment aux grosses grenouilles. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chance que l'on fige ces décorations définitivement dans le milieu urbain de Palaiseau ? Donc je ne sais pas si ceux-là vont rester. Je pense que d'ailleurs ils auraient même pu en faire un peu plus. L'ambiance va être encore meilleure dans 2 ou 3 heures en fait. Ça va être chaud comme on dit. Chaud, enfin, dans le bon sens. Voilà, dans le bon sens. En très bon terme, ouais. On va essayer de se fondre dans la foule des hipsters là, hein. Avant soi. Des hipsters. Pardon ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Le concert ! Le concert là ? Et pourtant je n'ai pas pris de drogue. Bonjour, bonjour, moi c'est JPEX. Bonjour, moi c'est Florian. T'as l'air très heureux, je dis. En fait c'est surtout un stress, adrénaline, ouais. Mais ça peut déstabiliser les gens, je pense. L'avenir ici dans un festival comme ça, c'est aussi essayer de voir avec qui et combien de personnes on peut parler. Voilà quoi, se bouger le cul un peu, voilà, c'est ça que je cherche, voilà. Bah c'est ce qu'on cherche aussi un petit peu, hein. Hey. Hey, bonjour. Outside, c'est la première fois que tu viens ? Oui. D'accord. Et pourquoi ? Parce que je suis venu voir mon ami d'enfance, Odd. Mais c'est ton ami d'enfance que depuis l'année dernière ou ? Ah non, mais j'étais jamais venu ici. Que depuis cette année ? D'accord. Non plus, non. Depuis ce midi, mais non, j'étais pas là. Ah t'étais pas ? Ah tu viens juste d'arriver ? Je travaillais. Ouais. T'es en école d'art, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est pas, on s'en fout. Merci beaucoup. Je pourrais en voir un autre de type XS, s'il vous plaît ? Tout de suite dans le plus grand. Est-ce que c'est du XS ? Hein ? Oui. Un autre, allez. Celui-là, par exemple. On a du XL en fait. Non, mais attends, on va pas tout déballer, s'il vous plaît. Non.
moi je déballe tout là. Non mec, c'est bon, coupe mec, on est relou mec, sérieux. Franchement, je sais pas. Bon,